Plus d'engagement des États africains et un solide partenariat entre tous les intervenants, potion magique proposée à Ouagadougou pour éradiquer les maladies tropicales négligées à l'occasion de la célébration de la victoire sur l'oncocercose. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Le président du FASO, Rochmar Christian Kabore, s'est envolé hier pour Kigali au Rwanda, où il prend part au 27e sommet de l'Union africaine. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UIA se tiendra autour du thème « Année de protection des droits de l'homme » avec un accent particulier sur les droits des femmes. Ce thème, aussi important qu'il soit, ne devrait pas occulter les questions cruciales actuelles du continent. Olopoda. Une rencontre qui revêt une importance capitale dans la mesure où le thème est axé autour de 2016, année africaine des droits de l'homme, avec une primauté accordée aux droits des femmes. Que dire encore du terrorisme transnational? On se souvient toujours des attentats meurtriers de Ouagadougou, Bamako et Abidjan qui ont fait de nombreuses victimes. Dans le bassin du lac Tchad, la secte islamique Boko Haram fait toujours parler d'elle. Au-delà des questions sécuritaires, la succession de Nkosazana Dlamini-Zuma est l'autre enjeu de ce sommet. Qui succédera à la Sud-Africaine au poste de président de la Commission de l'Union africaine? Des prétendants sont annoncés. Il s'agit de l'équato-guinéen Agapito Mbamokui, la Botswanaise Pelonomi Winson Mwatwa et l'ougandaise Speciosa Vandira Kazimbwe. D'autres noms, comme celui du Sénégalais Abdoulaye Batili, sont cités également. La maison du Burkina connaît un taux de réalisation appréciable à Abidjan en dépit de quelques difficultés. Le ministre des Affaires étrangères, Alpha Barry, s'est rendu sur le chantier de construction de cette infrastructure. Il a rencontré les entreprises de construction et de contrôle pour trouver les moyens de lever les obstacles à sa rapide réalisation. Nongba Kouda, Sibidi Issa Lankwande. Alpha Barry sur le chantier de construction de la maison du Burkina au quartier Plateau d'Abidjan. Le bâtiment sort de terre. Pour une hauteur prévue de 17 étages, les travaux atteignent à ce jour 9 étages. Bien qu'en progrès, le chantier connaît tout de même quelques difficultés. Là, nous avons 2-3 autres problèmes liés à la rue qui jouxte le chantier, également à la hauteur du bâtiment. Et au problème de documents du bâtiment. Bon, mais ce sont des problèmes administratifs que nous sommes en train de régler. Le ministre assure cependant que ces difficultés sont en train d'être levées sur instruction de la présidence ivoirienne. Le chantier pourra donc continuer afin d'achever cet édifice qui est beaucoup attendu des Burkinabés. L'entreprise de construction, elle, se donne encore 10 mois une fois les autorisations accordées. Dès lors que toutes les autorisations et tous les problèmes sont résolus, on estime donc 10 mois de travaux pour finaliser en fait la maison du Burkina en Côte d'Ivoire. D'un coût global de 25 milliards, le complexe est financé par le budget de l'État burkinabé. Les compatriotes vivant en Côte d'Ivoire y contribuent également à travers une taxe prélevée sur la carte consulaire. Une fois terminé, il abritera tous les services diplomatiques et consulaires du Burkina, des appartements, des bureaux et des représentations commerciales.
clôture de deux jours de réflexion sur la lutte contre les maladies tropicales négligées, notamment l'onchocercose. Les discussions de Ouagadougou ont souligné la nécessité d'un engagement fort des États et d'un partenariat solide avec les organisations internationales pour réussir à éradiquer totalement ces maladies. Cette concertation avait lieu dans le cadre de la célébration du succès de l'Afrique sur l'onchocercose. Reportage Pawandrogo Jean-Zongo et Abdelaziz Yagibou. Pas question de baisser la garde, même si la situation est actuellement sous contrôle. Les pays touchés par les maladies tropicales négligées, dont l'onchocercose, s'accordent à changer le fusil d'épaule pour les batailles futures. Désormais, ils optent pour la diversification et la pérennisation des sources de financement, la culture de la solidarité et la mise à contribution d'une approche inclusive. Approche qui devrait impliquer à fond les firmes pharmaceutiques donatrices, les bailleurs de fonds, les professionnels de la santé, mais aussi les communautés à la base elles-mêmes. C'est quand on a pris la décision d'organiser ce qu'on appelle les distributions de d'ivermectine, c'est le médicament contre l'onchocercose de masse, qu'on a constaté un recul fondamental de la maladie. Il est établi, après cette expérience-là, que les communautés sont mieux placées pour gérer leurs questions de santé. 11 pays ont bénéficié du programme africain de lutte contre l'onchocercose APOC, arrivé à terme en 2015. À ces pays, ici représentés par leurs experts et leurs ministres de la Santé, l'OMS promet plaider auprès des donateurs pour une mise en œuvre réussie du projet qu'elle a mis en place pour la suite du combat contre les maladies tropicales négligées. Nous allons travailler ensemble avec tout le parti prenante pour mobiliser des ressources internationales, mais aussi pour encourager l'investissement du budget propre des États africains. Selon les prévisions de l'OMS, ce sont environ 5 à 8 milliards de francs CFA qui seront mobilisés chaque année pour la conduite du projet spécial élargi pour l'élimination des maladies tropicales négligées. Un projet d'une durée de 5 ans. L'opération de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée Milda a effectivement commencé hier sur toute l'étendue du territoire. 11 millions de ces Milda vont être remises à des ménages pour lutter contre le paludisme. À Bobo-Dioulasso, l'opération a débuté et connaît un véritable engouement des habitants de la ville de Sia. Sur place, les précisions de Martin Zerbo et Karim Sissé. En file indienne et munis de leurs bons, ces bobolets attendent leurs moustiquaires imprégnés. Après quelques minutes, c'est la joie une fois en possession de sa moustiquaire. Je suis très contente puisque nous venons d'avoir des moustiques imprégnés pour notre santé, pour la protection de nos enfants et nos petits-enfants. Nous sommes très contents. Dans les hauts bassins, c'est le gouverneur qui donne le ton de cette campagne de distribution. Une campagne qui s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement de lutte contre le paludisme, première cause de consultation sanitaire au Burkina. Le moustique est le vecteur principal de la transmission de la maladie et les moustiquaires imprégnés permettent d'empêcher les piqûres de moustiques, donc d'empêcher que la maladie s'installe au niveau des populations. Du 15 au 18 juillet 2016, l'opération se déroule sur toute l'étendue de la région des Hauts-Bassins. Les bénéficiaires sont donc invités à se rendre sur les sites de retrait mentionnés sur leur bon. Visite du centre pour mineurs en conflit avec la loi basée à l'AI dans le Kouréogo par le ministre de la Justice et l'ambassadeur de France. Visite pour encourager les acteurs œuvrant dans la réinsertion des enfants en difficulté. Le ministre René Bagoro a pu apprécier les efforts accomplis par la coopération française pour réhabiliter le centre de l'AI. Kossoun Koulibaly, Maxime Zongo. Au lieu de se retrouver dans les prisons parce qu'ils sont en conflit avec la loi, eux, en raison de leur jeune âge, bénéficient d'une seconde chance de réinsertion dans la société. Ici, à l'AI, ce sont plusieurs métiers qui leur sont enseignés. Le pacte pour le renouveau de la justice consacre une grande partie à l'humanisation des prisons. Et donc, ce centre-là y participe de façon concrète. Et c'est pour cela que nous avons tenu à y venir. La deuxième raison, c'est que c'est un centre qui avait quelques problèmes, notamment ce qui concerne les dortoirs et les bureaux au niveau des toits. Et nous avons eu la chance
d'être appuyé par la coopération française. On nous a dit les toits fuient. Eh bien, on a débloqué de l'argent pour réparer les toits dans les bureaux et les dortoirs pour que, avant la période des pluies, les gens soient dans des conditions correctes. Formation en mécanique, auto et moto, menuiserie, couture et bien d'autres, autant de métiers qui leur ouvrent les portes d'une vie active prometteuse. Ce que nous faisons déjà, c'est tout ce qu'un enfant souhaite faire, dans la limite de nos possibilités, bien sûr. Il peut venir ici, il passe 2 ans, à la fin des 2 années, c'est une autre ambition qu'il a. Donc nous l'accompagnons toujours hors du centre à pouvoir réussir cette ambition. Depuis l'ouverture du centre en 2004, ce sont plus de 270 enfants qui ont reçu des formations diverses. La présente promotion compte 88 pensionnaires, dont 10 filles. La situation des enfants travaillant sur les sites d'orpaillage demeure aussi préoccupante. Au Burkina, plus de la moitié des enfants sont économiquement actifs malgré l'interdiction de leur travail. Sur les sites aurifères dans le sud-ouest, le phénomène, loin de s'estomper, prend des proportions inquiétantes. Salif Belem Draman Dadian. Il n'a que 15 ans. Élève en classe de 5e. Alphonse Kambou a déjà pris place sur ce site d'or pour y passer ses vacances. On est en vacances, je suis venu pour chercher l'argent pour aller chicolariser mon chicolarité. Parce que mon papa est mort. Tu gagnes combien comme ça, à la fin du mois? À la fin du mois, je gagne 20 000. Son travail, dit-il, consiste au lavage du minerai. Une activité qu'il mène chaque vacances et ce depuis l'école primaire. Mohamed Ouedraogo, 17 ans. Lui n'a pas été inscrit à l'école. Son métier, l'orpaillage. Il a fait des centaines de kilomètres pour se retrouver là, à la recherche du métal jaune. Je suis à la recherche de l'or pour subvenir aux besoins de ma famille. Je sais bien que l'orpaillage est interdit aux enfants, mais c'est mon seul refuge. Si certains enfants se retrouvent volontairement dans l'orpaillage, ce n'est pas le cas pour d'autres. Nés sur les sites aurifères de parents orpailleurs, ils ne connaissent que cette activité loin de l'école. C'est quoi nous on demande aujourd'hui à l'État? Il faut avoir de l'école même pour déplacer. Parce que les orpailleurs, dès qu'ils entendent qu'il y a l'or dans un coin là, tout le monde part en même temps. Donc ils vont avec les enfants. Les enfants qu'ils voient ici, ce n'est pas les enfants des villages, c'est les enfants que les orpailleurs même qui se déplacent avec eux. Ce sont leurs enfants. Il y en a même qui sont nés sur les sites. On les baptême et fait sur les sites. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il est orpailleur, puisqu'il est né dedans. Il y a des gens, ça vaut 30 ans, qui sont dans l'orpaillage. Et leurs enfants aujourd'hui aussi sont grands dans l'orpaillage. Ils sont devenus des patrons, des orpailleurs. Donc, ils connaissent tous les systèmes, comment ça se passe. Des enfants orpailleurs, on en trouve un peu partout dans les différents sites d'or à exploitation artisanale. En 2011, 98 enfants en situation de travail ont été enregistrés dans 38 sites d'orpaillage au sud-ouest. Et qu'en est-il de la situation actuelle sur la centaine de sites répertoriés dans cette région? Pour ce qui est de la situation, il faut dire qu'il est très important qu'une enquête puisse nous situer sur l'étendue et l'envergure du travail des enfants dans les sites d'orpaillage. Voilà, mais pour un observateur comme ça, lambda, vous constaterez que les enfants y sont sur les sites d'orpaillage. Vous constaterez également qu'ils sont impliqués dans certains travaux qui sont identifiés et interdits à ces enfants par l'ancien décret sur la liste des travaux dangereux qui incriminaient un certain nombre de tâches au niveau des sites d'orpaillage. Voilà, la dernière situation qu'on avait date de l'enquête de 2006 et cette enquête estimait à 2,3%. Le nombre d'enfants enquêtés qui étaient dans les activités extractives, dont les sites d'orpaillage. Certes, le travail des enfants embrasse tous les domaines socio-économiques de la vie active. Mais avec la ruée vers l'or, ils sont actuellement des centaines de milliers d'enfants burkinabés dans les sites aurifères, à la recherche de leur pitance.
rencontre autour de la nouvelle réglementation des bureaux d'information sur les crédits dans les États membres de l'UEMOA. La mise en œuvre de ce nouveau dispositif vise une meilleure structuration du marché de crédit dans la zone UEMOA. L'opérationnalisation de la plateforme se fera dès la semaine prochaine. Adama Guiti, Nathalie Savargo. Dès la semaine prochaine, toutes les banques, les établissements financiers, les institutions de microfinance de grande taille devront s'approprier la plateforme BIC, le Bureau d'information sur le crédit. Cela se matérialise ici avec la signature des contrats entre le directeur général de la société Crédit Info Volo et les responsables des institutions financières. Il s'agit de permettre aux banques, aux clients des banques, de donner les meilleurs éléments d'appréciation sur les requêtes qu'ils peuvent faire à leurs banquiers. Donc, au préalable, il faut qu'ils communiquent un certain nombre d'informations les concernant. Et ces informations sont centralisées par le fournisseur de services qui est Crédit Info Volo. Et lorsque ce client-là veut s'adresser à sa banque pour des requêtes, notamment en matière de crédit, cette banque peut avoir accès à des informations qu'elle-même elle a collectées ou que d'autres banques dans toute l'UEMOA ont collectées sur elle. Les établissements assujettis de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger et du Sénégal sont actifs sur la plateforme d'échange de données. Le Burkina Faso est prêt à suivre le pas. Si ce dispositif est mis en œuvre, ça permet de donner aux banques la possibilité d'aller de l'avant et de faire mieux. Crédit Info Volo est une société multinationale. Elle fait partie des principaux fournisseurs en matière d'information de crédit dans le monde. Une dizaine d'inspecteurs techniques des ministères de la Communication et de la Culture viennent de bénéficier d'une semaine de formation à Bobo-Dioulasso. La formation était axée sur les techniques d'audit de contrôle pour être en phase avec les nouvelles normes en matière de lutte contre la corruption et pour une meilleure gestion de la chose publique. Idrissa Warga, Sanoua, Christine Koulibaly. Cette cérémonie marque la fin d'une semaine de remise à niveau des inspecteurs techniques du ministère en charge de la communication et de celui de la culture, des arts et du tourisme. Une remise à niveau sur les techniques d'audit et de contrôle. La façon à adopter la loi anticorruption, il y a de nouvelles normes, il y a de nouvelles pratiques qu'il faut absolument s'approprier. Cette formation va permettre aux inspecteurs de s'approprier de nouvelles connaissances, de nouvelles techniques normées sur le terrain pour pouvoir découvrir et combattre certaines fraudes en matière de gestion de notre administration. L'éthique et la déontologie, la préparation d'une mission de contrôle et son exécution, cette formation a allié théorie et pratique. Par exemple, le contrôle, par exemple, des caisses, ça c'était vraiment à l'ordre du jour. Et on a fait un travail vraiment raffiné de ça. Et les gens sont prêts, ils ont des outils vraiment très prêts pour pouvoir aller sur le terrain et faire un contrôle efficace, non seulement sur les caisses, mais aussi sur le fonctionnement général même des structures. C'est donc bien outillé que ces inspecteurs rejoignent leurs services respectifs pour mieux veiller sur la gestion de la chose publique. La formation est rendue possible grâce à la volonté des deux ministères concernés avec l'appui de l'ASE, l'Autorité supérieure de contrôle d'État. Le prolifique cinéaste burkinabé Boubacar Diallo a présenté hier en première son 17e long métrage intitulé « Sacrée famille », une fiction qui aborde la vie d'un couple et met en exergue les valeurs de solidarité et d'entraide et de vie en famille. Le réalisateur burkinabé, qui fait toujours recours à l'humour pour faire passer ses messages, a respecté une nouvelle fois la tradition. Moussa Ouedraogo, Draman Dadia. Elle m'a avoué qu'elle était mariée à un vieux gars tenté. Boubacar Diallo a gardé les mêmes ingrédients qui ont fait le succès de ses précédents films, c'est-à-dire la comédie et la peinture à grands traits de la société burkinabé. Le Burkina Faso a traversé des événements très, très difficiles, très durs, qui ont permis de montrer que nous sommes réellement une nation. Mais la première, une nation soudée, et la première cellule de la nation, c'est la famille. Il faut des familles soudées pour qu'au-delà, il y ait une nation soudée. Sacrée famille, c'est la vie d'un couple, celui de Cheikh et de Fabiola. Une famille ordinaire
qui connaît les problèmes de tout le monde. Infidélité et infertilité, entre autres. Nous avons découvert le scénario avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'entrain. On s'est plu dedans, on s'est retrouvé dedans, on a incarné le personnage. Il y a des difficultés que les couples traversent, voilà, qui ne sont pas insurmontables. Voilà, donc c'est pour dire, il faut toujours croire, aller de l'avant et voilà, ça ira. Cette nouvelle fiction des films du dromadaire met la femme, la solidarité et la famille au centre de ses préoccupations. Qui mieux que la ministre Laure Zongo pour endosser les habits de la marraine? Cette famille qui est bâtie autour de Cheikh et de Fabiola, mais autour d'eux, nous avons ce tissu social et cette solidarité qui est là, cette valeur africaine que nous avons. Le 17e long métrage de Boubacar Diallo sort lundi prochain dans les salles du ciné en attendant de passer à la télé, car le film est extrait de la deuxième saison de la série de Fabiola. Après le cinéma La Danse, avec le concours de danse hip-hop initié par l'association Jeunesse Unie pour un mouvement positif, la compétition s'est déroulée sous forme de duel entre des filles et des garçons. Chaque danseur devait présenter seul sur scène son spectacle face à son adversaire. Issaka Ouédraogo, Haruna Maré. Voici les deux chorégraphies qui ont permis à Aziz Dahani et à Esther Tarbardo de remporter leur duel en catégorie garçon et en catégorie fille à Ouaga Battle Underground 2016. C'est une première édition qui a mis au devant de la scène une dizaine de compétiteurs de la danse hip-hop. Chaque jour, je m'entraîne avec mon groupe, ici même au CDC. Donc, les samedis soirs ainsi que les jeudis. À 16h, on peut répéter de 16h jusqu'à 22h. Ce qui a fait la différence, c'est l'inspiration au niveau du son et de la manière aussi de bouger. D'habitude, on se dit que les garçons sont là à dire qu'on est des filles, on ne peut pas faire des efforts. Et je me suis mis dans la peau d'une personne pour combattre. Donc c'est ça qui a fait ma force ce soir. À ce concours, chaque b-boy et chaque b-girl a disposé d'une minute chrono pour affronter son adversaire avec sa création. C'est un projet sorti des tiroirs de l'association Jump, Jeunesse Unie pour un mouvement positif. Je suis très satisfait dans le sens où je trouve ça très engagé de la part des jeunes parce que c'est très sportif et pour moi ça, c'est une jeunesse consciente, pas forcément dans la passion, dans le jeu. Mais quelque part, il y a un mouvement très dynamique derrière. Pour l'édition 2017, Ouaga Battle Underground sera ouvert aux autres villes de Burkina selon les initiateurs. Toujours avec le même mode de confrontation directe. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.